Le verdict est tombé tard hier soir aux assises pour les quatre accusés du meurtre du jeune Amar dans une fusillade à Mermoz en décembre 2009. Le tireur a été condamné à 15 ans de prison. Deux autres protagonistes écopent de 5 et 8 ans d'emprisonnement. Le quatrième jeune est quant à lui acquitté. A noter que ces peines se situent en dessous de celles réclamées dans le réquisitoire de l'avocat général. La mise en accusation pour assassinat avait été requalifiée en violence avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner. La famille est assommée par ce verdict parce qu'il est évident que la requalification d'assassinat en violence volontaire montre que pour eux, leur fils est une sorte de victime collatérale. Voilà. Et je crois savoir et je pense qu'il serait assez logique que le procureur général fasse appel de la décision à l'égard de tous les accusés.